Alors, bonjour à vous tous. Je suis la sœur de Saïd Mbibi. Je ne suis pas une militante politique. J'ai perdu ma sœur et pour moi, ça a été la pire des atrocités. Nous sommes quatre filles et nous sommes restées trois après sa mort. Et combien elle nous manque, toutes les trois, pour partager nos peines de vie et nos fous rires. Mais à tous les instants, elle reste parmi nous. J'ai toujours vu dans les yeux de ma mère une profonde tristesse mêlée de fierté. La peine d'avoir perdu son enfant et la fierté d'être la mère de Saïd Mbibi, un symbole pour notre peuple. Les derniers instants de sa vie, de la vie de ma mère, il y a tout juste une année, elle a répété sans cesse le prénom de son enfant. Elle répétait Saïda tout le temps. Elle savait qu'elle allait mourir et elle se préparait à la rejoindre quelque part dans le ciel. Merci à tous. عمرها ما شافت خالتها عايشة معها يومي 13 ديسمبر تاريخ الاحتفال هذي كتبت على الصفحة ديالها ديال الفيسبوك قرا عليهم الفرنسية ايتان tu avais 25 ans et jamais tu ne fêteras ton anniversaire de 26 ans. Le 11 décembre 77, ma mère a dû continuer à vivre sans sa sœur. Et ma grand-mère a enterré sa fille. Mon pays a perdu sa plus grande combattante pour la liberté. À toutes les jeunes vies brutalement enlevées au Maroc pendant les années de plomb. À tous les manifestants torturés. À tous les militants assassinés. Les dissidents opprimés. Vous pouvez aller en paix, car je vais humblement reprendre les mots de Khelti Saïda. Nous ne céderons jamais. Même sous terre, nous nous frayerons un chemin vers la lumière. Nous avons un droit dans nos cœurs. Merci.